La famille Corleone voudrait tout me racheter. Non, c'est pas toi qui achètes, c'est moi. Ton casino perd de l'argent. Je crois qu'on peut faire mieux. Dis donc, tu me reproches de truquer les comptes, Mike? Tu t'en sors mal. Tous ces et Rital, vous me faites marrer. Alors que je te rends le service de prendre Freddy avec moi quand vous êtes dans la mélasse, toi tu veux me rue? Attends une minute. Si tu as pris Freddy, c'est parce que la famille Corleone a mis des masses de fric dans ton casino et parce que les amis qu'on a ici ont garanti ta sécurité. Alors si on parle business, parlons business. D'accord, parlons business, Mike. D'abord, vous êtes coulé. Les Corleone sont plus en mesure de jouer les gros bras, tu le sais bien. Ton père tient plus debout. Votre famille est en train de se faire déloger de New York par Barzini. Non mais qu'est-ce que tu t'imagines? Que tu vas arriver dans mon hôtel et repartir avec? J'ai parlé à Barzini. On va s'entendre tous les deux et c'est moi qui resterai le patron. C'est pour ça que t'as giflé mon frère en public? Oh, non, c'était rien, Mike. Tu sais, des fois, on est nerveux, ça veut rien dire. Ouais, des fois, il se met en rogne une fois de temps en temps, mais lui et moi, on est de bons copains. Pas vrai, Mo? C'est qu'il y a une boîte à faire tourner, moi. De temps en temps, il faut cogner un petit peu pour que ça tourne en rond. On a une Freddy et moi, et je l'ai remis à sa place. Tu remets mon frère à sa place? Il sculbutait toutes les serveuses les unes après les autres. Il n'y avait jamais de filles pour servir les clients. Tu te fous de moi, Mike? Je repars à New York tout à l'heure. Pense à un prix. Tu sais qui je suis? Je suis Mo Green. J'ai buté mon premier bonhomme à l'âge où tu pissais encore au lit. Attends, Mo, j'ai une idée. Attends une seconde. Tom, c'est toi le consigliere. Il faut que tu parles à papa. Il faut lui expliquer que... Ton père se retire des affaires. C'est Michael qui est chargé des intérêts de la famille. Si tu as quelque chose à dire, dis-le à Michael. Mike, personne à Las Vegas n'a jamais traité Mo Green de cette façon! Fredo, tu es mon grand frère et je t'aime beaucoup. Mais ne prends jamais parti contre la famille avec qui que ce soit, tu entends? Jamais. J'ai des gens à voir avec mon père. Alors va dîner sans moi. Oh, Michael. Oh. Ce week-end, on sortira. On ira en ville, on ira dehors, on ira au théâtre, je te le promets. Allez. Michael, ta sœur veut te demander quelque chose. Qu'elle le demande? Elle n'ose pas. Connie et Carlo voudraient que tu sois le parrain de leur petit garçon. Oui, on verra. Tu veux bien? Laisse-moi y réfléchir, on verra. Allez, viens.